Les femmes n'aiment pas les hommes qui ont l'argent. Quoi? Les femmes n'aiment pas les hommes qui ont l'argent. Aha. Elles aiment les hommes qui donnent l'argent. Vous comprenez dans la compréhension? Vraiment, c'est malheureux. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Allez, maman, allez. Ah, vraiment le Cameroun. Bonjour Aïcha, il y a quoi au menu aujourd'hui? Il y a souvent certains histoires qui viennent me retrouver inbox et je fais le choix de ne pas en parler. Non, cette fois-ci, il faut nous expliquer. Donc, il y a eu une histoire entre Marcel Kotchepoupi et une de ses copines au nom de Jennifer. Vous comprenez? Ah? On ne comprend pas encore. Jennifer a fait quoi? Jennifer reproche quoi à Poupi? Dis-nous alors, pardon. Jennifer reproche à Poupi que Poupi n'est pas loyal. Quoi? Jennifer dit que Poupi a abusé d'elle. What? Jennifer dit que Poupi n'a pas été une amie. Poupi! Et Jennifer nous fait beaucoup de révélations. Hey, comme quelle révélation comme ça? Jennifer dit que elle était copine avec un Muriel depuis l'enfance au Cameroun et tout, et tout, et tout. C'est pas possible. Jennifer dit que quand elle est arrivée au Cameroun, elle a toujours soutenu Marcel. Elle a toujours été là pour Marcel. Quand Marcel est venu en France, Marcel a eu juste besoin d'elle pour l'habiller. Marcel n'a jamais voulu faire sa publicité. Marcel n'a jamais voulu la valoriser aussi. Marcel, c'est quand tu es connu que Marcel marche avec toi. Et ça, c'est vrai. Aïcha, tu es seul dans ta tête là. Je suis la qualité que ça ne va pas. Je t'ai dit que ça ne va pas. Ouais, ça, c'est très bien. Ouah, pour bien une chose, c'est d'intensier. Avec la vente de... C'était la magie de tout aussi. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ont l'argent. Elles aiment les hommes qui donnent l'argent. Écoutez un peu ce fameux reportage et on se prend juste après. Poupi a fait une vidéo TikTok dans laquelle elle invite les hommes à donner de l'argent à leurs copines. Hey! Imaginez un peu. C'est quel genre de vidéo qu'elle a posté comme ça? Plusieurs internautes trouvent sa vidéo indigne. Quelle déception du jour. Une vidéo censée être amusante a été postée sur TikTok par la jeune comédienne Marcel Kuech, beaucoup plus connue sous son nom de comédienne de Poupi. Attends un peu, on va voir ça. Les gars, nous sommes déjà le 9 décembre. Vraiment. Donnez-nous l'argent des fêtes. Ah, quoi? Ça, c'est quel pays? Ah. À partir du 15, là, ça devient très cher. Quoi? À partir du 15, là, ça devient très cher. Ta gueule! Espèce de caca de porc. Non, ne l'insultez pas encore. Écoutez jusqu'à la fin. Les choses qu'on achetait à 10 000 nous reviennent à 30 000, 40 000, 50 000. Donnez-nous ça maintenant. On va essayer de voir comment on va jongler. Parce qu'à partir du 15, là, non. Si tu n'as pas 200 000, 150 000, 300 000 en montant, pardon, ne nous donne pas. Laisse. Laisse. On va chercher le sugar daddy. Donc, tout ça, pour ça. Là, il a. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ce n'est même pas possible. C'est impossible. Marsa, ma soeur, cette vidéo a fait fort. Visiblement, cette vidéo n'est pas arrivée chez tout comme une blague et bien de personnes l'ont pris au sérieux, notamment Yvé, un artiste rappeur camerounais. Cette vidéo peut avoir quel impact négatif sur nos jeunes sœurs? Donc tu dis carrément à ta petite sœur que si son petit gars du quartier ou de l'école ne lui donne pas 200 000 ou 300 000 comme argent des fêtes, elle doit aller voir le sugar daddy. Hey, grand frère. Vraiment, c'est malheureux. C'est une criminelle. Chers influenceuses, attention à tout ce qui sort de vos bouches là-haut. Parce que lorsqu'on vous parle... Non, c'est rien. Je maîtrise. En regardant cette vidéo, je me suis demandé si ces filles sont conscientes des messages qu'elles transmettent à nos petites sœurs. Point d'interrogation. Ces influenceuses, actrices et consorts savent-elles qu'elles sont suivies et admirées par de milliers de jeunes? Point d'interrogation. Et surtout par des milliers de jeunes filles? Quel message envoient-elles à la jeunesse? Point d'interrogation. Qu'il faut aller voir les sugar daddy? Point d'interrogation. Que la vie est facile. Qu'on peut sortir de nulle part, ne rien faire de concret et mener une vie de luxe, voyager, rouler dans de grosses voitures, à quel prix? Yeah, vraiment, je suis étonné. Je ne veux pas entendre les sottises. À un moment, il faut que ces filles disent la vérité à nos petites sœurs. Mais oui, c'est clair. Les filles, écoutez très bien. Je finirai en donnant un conseil à ma petite sœur. Petite sœur, tu ne peux pas faire les ongles, vendre les mèches ou les huiles, et rouler dans une voiture de 80 millions, voyager partout dans le monde, vivre dans le luxe et consorts. Écoutez très bien. Ne crois pas à tout ce que tu vois sur internet, petite sœur. N'écoute pas ces mauvais conseils donnés sous prétexte de la comédie. C'est de ça qu'il s'agit. Oh.
Voilà. S'il te plaît, reprends un peu cette partie. Ne crois pas à tout ce que tu vois sur Internet, petite sœur. N'écoute pas ces mauvais conseils donnés sous prétexte de la comédie. C'est la magie. Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Réfléchis, petite sœur. Tu es plus intelligente que ça. Sache qu'on ne te dit pas tout, petite sœur. Sois sage, a-t-il déclaré. Mais jeune sœur, j'espère que vous comprenez avec les oreilles et non avec les yeux. Ne vous laissez pas amener par la vie des réseaux sociaux. Mais oui, c'est clair. Ok. Bye bye. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.